de chasser comme ça vers l'extérieur, complètement le crossfire. Il faut aller toujours vers le centre, ok? Si vous allez vers le centre, vous allez cueillir le direct, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais au fond, vous n'avez pas besoin de savoir si vous allez cueillir sur l'intérieur ou à l'extérieur. Vous avez juste besoin de vous protéger, de mettre votre main en protection. Okay? Ça, ça va être la première idée. Donc, qu'il fasse intérieur ou qu'il fasse extérieur, qu'il fasse bras avant ou qu'il fasse bras arrière, quand je vais faire pas, que je vais positionner mon bras sur le centre et je vais éviter de dépasser la limite du centre. La première règle. Okay? La deuxième règle, ici, c'est qu'on va pouvoir attaquer aussi bien avant, arrière, que arrière, avant, même quand, par exemple, au départ, on est dans une structure très simple. On fait, au niveau académique, on fait 1, 2, et le bras libre frappe. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et vous voyez, on est toujours dans ce truc. 1, 2, même bras. Je tape avec mon bras libre. Dans la règle ouverte, en fait, je suis là, mais je peux remiser 1, 2. Il peut faire deux fois pack. Là où il va avoir, là où vous allez galérer, c'est si vous commencez à faire des trucs comme ça. Vous voyez? Parce que ça va vous faire perdre le temps. Ce qui fait que si vous balayez le centre, si vous avez mal analysé quel est lequel des deux bras qui arrive, admettons c'est celui-là, je me plante, je peux complètement me planter en fait. Chose qui n'est pas le cas si je vais que sur le centre. Arrière avant au moment où je désire, je peux faire avant arrière au moment où je désire, je peux prendre à l'intérieur ou à l'extérieur deux fois avec la même main. Quand il fait par exemple arrière avant ou avant arrière, je peux faire 1, 2. Je suis pas obligé de faire 1, 2. Une fois à l'autre, une fois là. Je peux décider de faire avec cette main. Vas-y, fais ce que tu veux. Toutes les combinaisons marchent. Je fais des défenses. J'avance, je fais des attaques. 1, 2, 3. Après, que je passe avant ou arrière, arrière ou avant, que je double la main avant, que je double la main arrière en attaque ou en défense, normalement ça doit fonctionner, ça doit passer. Et le but du travail, c'est que ça fonctionne et que ça passe. Donc vous prenez le temps qu'il faut pour arriver à le faire tourner comme on le fait tourner de manière fluide. Au départ, vous allez sentir que ça commence à venir, puis ça va échouer, etc. etc. Puis à un moment, vous allez passer un cap où pff, votre esprit va décrocher. Là, ça devient. Ouais, allez, on y va.